Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une vidéo qui va se passer en audio description. On va aller visiter ensemble un lieu qui est vraiment extraordinaire, qui se trouve dans les Hauts-de-France, dans la ville de Guise. Et ce lieu porte le nom de Family Stair. Ils ont donc créé une application spécialement dédiée aux malvoyants, et ceci sous Android. On va la découvrir ensemble. C'est parti donc pour cette petite vidéo en audio description. Alors, qu'est-ce que Family Stair? Audio Family Stair. On va ouvrir cette application et on va découvrir ce qu'elle nous réserve. Audio Family Stair. Bonjour et bienvenue au Family Stair. Cette visite en audio description comprend 11 étapes dans différents lieux du site. Les séquences sont numérotées de 1 à 11. Elles ont une durée de 3 à 5 minutes. Il faut compter 1h30 environ pour accomplir l'ensemble du parcours. Sentez-vous libre de sauter une étape si vous le souhaitez. Rendez-vous à l'accueil du centre des visiteurs qu'on appelle les économas. Vous pourrez y emprunter la mallette, le Family Stair tactile, qui contient des documents tactiles d'orientation et d'aide à la visite. Pour commencer le parcours, tapez 1. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, cette application est entièrement accessible. C'est un lieu à visiter réel et en plus, sur place, vous avez des mises en situation réelles à visiter. J'ai lu un peu l'histoire de Family Stair qui a été donc construit par Gaudin. C'est vraiment extraordinaire. Et cette application, comme je vous disais, n'est disponible que sous Android. Ultra accessible. Voilà pourquoi je voulais vous faire partager cette application. Car vous allez pouvoir, malgré tout, si vous n'avez pas la possibilité de vous diriger dans la ville de Guise, dans cette architecture qui s'appelle donc Family Stair, vous allez pouvoir quand même vous immerger à partir de votre smartphone ou de votre tablette. On a donc les 11 boutons bien sûr accessibles. On peut naviguer en diagonale, ce n'est pas un problème. Et en plus, on a 1h30 de visite qui est vraiment sympa. Cette application Family Stair est entièrement gratuite, alors il faut en profiter. Voilà pourquoi je voulais vous présenter rapidement cette application. Audio Family Stair, le Family Stair en audio description. Pour commencer le parcours, tapez 1. On va donc aller sur la droite. Un bouton. Audio 1, accueil. Le Family Stair est un vaste complexe d'habitations édifié dans la seconde moitié du 19e siècle par un industriel Jean-Baptiste André Gaudin. Family Stair veut dire palais des familles. Il était destiné aux familles des travailleurs de l'usine, des fameux poêles Gaudin. C'est un palais social. L'usine fonctionne toujours et des habitants vivent aujourd'hui encore dans ce palais. Le Family Stair est un musée habité. Dans l'espace de l'accueil, un grand plateau rassemble deux maquettes tactiles. Elles vous permettent de comprendre l'organisation du site. D'un côté du plateau, un plan présente l'emplacement du Family Stair dans la ville de Guise, traversée par l'Oise. De l'autre côté du plateau, une maquette montre l'emplacement des différents bâtiments qui composent le Family Stair. Le palais comprend des logements, un théâtre, des écoles, des magasins, une buanderie-piscine et des jardins. Les constructions sont organisées autour d'une grande place. Tous les bâtiments sont construits en briques, une identité très forte dans la ville. À travers cette... Familiarisez-vous avec la forme générale des bâtiments. Plus qu'un ensemble d'habitations bien conçues, le Family Stair est une ambitieuse expérimentation sociale. Gaudin,
fonde une association coopérative du capital et du travail. Au sein de cette association, les travailleurs deviennent collectivement propriétaires de l'usine et du palais social. Et les richesses produites peuvent ainsi légalement bénéficier à ceux qui les produisent. Au Familistère, les travailleurs et leurs familles habitent un logement lumineux et aéré. Ils ont accès à l'hygiène, à l'éducation et aux loisirs. C'est ce que Godin nomme les équivalents de la richesse. Les avantages que la fortune accorde à ceux qui en sont dépourvus. Cette idée est la boussole de son action. Dans ce parcours, nous allons découvrir comment Godin la met en œuvre. Attention, certains bâtiments ne sont pas ouverts entre 12h et 14h. Renseignez-vous à l'accueil afin d'organiser au mieux votre visite. Sortez de l'espace d'accueil. Devant vous se déploie la place du Familistère. C'est un espace urbain partagé par les piétons prioritaires et les voitures. Elle est entièrement recouverte de briques de couleur anthracite. Suivez le guidage podotactile au sol vers la gauche jusqu'à ce qu'il fasse un angle. Tournez-lui alors le dos et engagez-vous sur la voie qui traverse l'espace partagé. Une ligne podotactile matérialise la limite entre la zone piétonne et la voie de circulation. Dirigez-vous vers le pavillon central. Au centre de la place, se trouve une statue de Jean-Baptiste André Godin. La deuxième étape du parcours. Tapez 2. Voilà, donc ça a l'air d'être une très belle aventure à vivre en toute accessibilité. Familistère qui est dans la ville de Guise. Si vous passez donc par cette ville, n'hésitez surtout pas à aller visiter ce lieu qui a l'air vraiment magnifique. Accessible, et grâce à cet audio guide, vous allez pouvoir vraiment traverser toutes les étapes une par une, 1h30 d'un magnifique parcours. Cette application est sous Android, malheureusement elle n'existe pas sous iOS, c'est dommage. Faudrait d'ailleurs qu'elle soit portée sous iOS, car il y a aussi beaucoup de personnes déficientes visuelles qui sont sous iOS, et ça serait vraiment bien que cette application puisse exister. Si vous le désirez, dites-moi ça en commentaire. Je pourrais éventuellement rassembler toutes les pistes, en faire une seule et vous la poster sur YouTube pour que vous puissiez l'écouter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous, likez, partagez comme d'habitude et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.